Eh bien, salut tout le monde, c'est Mr. Lightman 22, comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo détente sur FIFA 14. C'est une démo qui est sortie il y a à peine quelques jours. Et je voulais la faire parce que c'est vraiment super sympa, parce que FIFA, bah vous savez, FIFA c'est un jeu que tout le monde apprécie. J'aime bien les jeux de sport en général, que ce soit FIFA 14 ou NBA 2K14, que j'ai l'intention de prendre. Que j'ai l'intention de prendre, MDR. Je parle comme une merde déjà dès le début. Enfin bref, cette démo est sortie il n'y a pas très longtemps. Bon, FIFA, hein, les jeux de sport, vous savez que FIFA c'est fait par EA, comme vous voyez ici en bas à droite, Electronic Arts. Et comme d'habitude, c'est toujours Messi qui est en tête d'affiche, que ce soit sur FIFA 12, FIFA 13 ou FIFA 14. Enfin bref, il faut qu'ils arrêtent avec Messi quand même. Bon, là c'est le menu. Voici le coup d'envoi, Ultimate Team. Je suppose que là on peut faire notre propre Ultimate Team. Donc vous pouvez prendre tous les meilleurs joueurs que vous voulez. Voilà le nouveau maillot du Barça, Height. Essayez FUT dès maintenant. Non, pas maintenant. Alors mode carrière, voilà. Bon, comme on n'a pas débloqué le jeu complet, je suppose qu'on peut pas y aller. Bon, le réseau de recrutement représente blablabla. Donc ici il y a le monde carrière. Voici, ça je sais pas ce que c'est. Attendez que je clique dessus. Bon, ça fait rien du tout, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne, Ultimate Team. Chargement. Ah d'accord, on peut le faire quand même. On peut faire notre Ultimate Team. Alors ça c'est super sympa. On va juste voir comment ça se présente. Mais sinon, je vais pas faire ça. Alors dans FIFA, passer audio. Il faut avant tout. Ok d'accord. Bon, on choisit. Bon voilà comment ça se passe pour faire l'Ultimate Team. Donc en fait ça se compose déjà tout seul. C'est ce que je vois. Je crois que ce sont les joueurs en forme du moment. Donc on sélectionne avec X. Ensuite, on bouge un analogue pour changer de place à chaque joueur. Ouais, bon, passe au audio. Bon, ok, on va faire la même chose, on peut faire ça. Poursuivre le nananana, retour au menu principal. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse, je voulais juste voir ce que ça donne. Mais on va quitter. Voulez-vous quitter Ultimate Team? Oui, s'il vous plaît. Bon, on a le coup d'envoi, on a joué. Voilà, coup d'envoi, Ultimate Team, saison de coop. On peut faire des saisons en coop, ça c'est cool ça. Que ce soit en ligne ou bien avec d'autres personnes, hein, si vous avez une manette de plus. Jeu technique, voilà. On peut carrément entraîner notre joueur. Écoutez, on va un peu tout regarder, parce que c'est une sorte de découverte de la démo, hein, si vous voulez. Alors le mode carrière qui est ici, que bon, je peux pas cliquer effectivement parce que c'est que la démo. Club Pro, qu'est-ce que c'est Club Pro? Rejoignez ou créez un Club Pro pour jouer aux côtés de vos amis ou d'autres joueurs de FIFA dans des matchs en ligne à 11 contre 11 avec votre club, vous pourrez participer. Ah mais c'est stylé ça! Je pense que je ferai vraiment des vidéos FIFA hein, quand il va sortir. Alors, arène. On va déjà dans l'arène et voici notre... Qu'est-ce qu'il fait? Ok, alors excusez-moi, j'ai appuyé sur L1. D'habitude, il bloquait la balle. Mais je sais pas ce qui se passe. En fait, je voulais jongler. Ah, mais c'est hyper réaliste, hein. Mais regardez. Attendez. Comment j'ai fait? Comment je fais pour jongler, là? Hop. Pouah, mais regardez. Attendez. Mais c'est hyper... J'ai l'impression qu'il est même fragile, là, en fait. Hop, hop. Pourquoi j'ai l'impression qu'il est plus gros ou c'est moi C'est juste une impression. Enfin, bref. Bon, on dribble un peu. Hop, 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 hop. On jongle. Attends, par contre, j'ai envie que tu jongles pour voir. Ah d'accord, ok, j'avais oublié. Tour du monde. Ah non, tour du monde, il veut pas le faire. Ok bon, allez on y va. Hop, hop, hop. Pouh. Bon, un truc que j'adore faire aussi dans FIFA, c'est le replay, bien évidemment. On va fermer ça, tu t'arrêtes tout de suite. Je voulais en fait m'approcher de Léo Messi pour voir sa tronche. Pour voir s'il est bien fait, bien évidemment. Alors attendez, hop, hop, voilà. On va s'approcher de lui. Regardons un peu la texture. Bon, c'est une démo, ça ne retranscrit pas fidèlement le jeu officiel, mais c'est pour voir ce que ça donne. Alors, on va enlever ça et on va voir. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt réussi. Mon premier but dans FIFA.
des barres en mode entraînement. Comme dans le classique, pour appuyer sur Select, vous pouvez faire des entraînements en coup de pied arrêté, des matchs entraînement, créer un coup de pied arrêté, un contre un et choix de côté. Enfin bref, je suis pas trop chaud pour faire gardien. Et voilà. Arène, paramètres, compte, origine, EA. Alors les serveurs EA font souvent chier avec leur compte origine. J'ai eu des problèmes avec Battlefield. Alors ça, jeu technique. Ok, c'est bloqué. Bon, il faut débloquer le jeu final. On va enfin pouvoir faire un match. Excusez-moi hein, de vous avoir fait attendre, mais voilà. Je voulais vraiment vous montrer et tout. Protégez votre ballon pour contrôler le jeu au milieu de terrain et dicter le rythme du match avec la touche L2. Ah bon? Éliminez les défenseurs et privez-les de ballon. Nanana. Ok, d'accord. Bon, c'est comme dans tous les FIFA normal. J'ai mis le mode alternatif parce que c'est le mode FIFA. Je me sens mieux avec FIFA. Écoutez, je vais prendre le FC Barcelone. Vous savez très bien ce qu'on cherche quand on prend le FC Barcelone. On va essayer de faire Barça Real. Si jamais. Alors, bien évidemment, ils sont pas là. J'aurais aimé faire un petit classico. On va faire Barça PSG, tiens. Ça sera intéressant avec Cavani et tout. Alors, Qatar Foundation. Airway plutôt. Excusez-moi, ça a changé. Je déteste ce nouveau maillot, il est vraiment atroce. Bon, toi tu vas rester comme ça. Toi, vous allez être en blanc. Allez, c'est parti. Bon, au niveau. Comment dire? Niveau menu, ça change pas trop comparé à FIFA 13. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir à un truc là. On a que 3 minutes. Météo dégagée. Pro international, légende. Semi-pro, pro international. Bizarre, ils ont enlevé le world class parce que j'ai joué souvent en world class. Enfin bref, je vais mettre pro parce qu'on sait jamais. Et voilà, j'ai pas envie de proposer un gameplay dégueu dès le premier match comme ça. Allez, on va jouer direct, gestion d'équipe, on s'en fout, on va pouvoir y aller. Alors, bah comme dans FIFA, par contre, niveau contrôle de la balle, c'est beaucoup plus dur de contrôler son joueur. Ça, c'est un truc que je viens de noter. Parce que, vous voyez ce que je suis en train de faire là, c'est pas facile du tout, hein, croyez-moi. Hop, ah. Vous voyez, quand je pousse trop le ballon, bah. Ça devient un peu difficile de. Eh, mais ça va être super chaud, hein. Bon, on arrête ça. Si c'était un mini-jeu plus sympa, peut-être j'allais le laisser, mais là, c'est un peu bizarre. Enfin, bref, la jouabilité est pas mal. On sent que c'est beaucoup plus réaliste parce que pour maintenir la balle à côté du joueur, c'est beaucoup plus dur. Après, on va voir comment ça se passe au niveau des contacts, au niveau de la première touche de balle. S'ils ont fait, ils ont fait un travail énorme là-dessus. Enfin bref, j'espère que vous allez kiffer ce magnifique match. Allez, c'est parti. Voilà Neymar. Enfin Neymar. Enfin tout le monde, ceux qui suivent le foot savent qu'il est parti au Barça. Je pense que ça va être un putain de match. Hein. J'affronte quand même le PSG à pro sur FIFA 14. Allez. À noter qu'il sort quand même le 24 octobre, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, il sort, non, plutôt le 25. Le 25 septembre, pardon. Le 25 ou le 27 en France. Il sort le 27 septembre en France. À vérifier, hein, allez-y, parce que je suis plus sûr de rien. Enfin bref, je pense, je suis pas sûr. On a quoi au niveau des remplaçants? Fabregas. Fabregas en remplaçant? Ils sont sérieux? Ah, mais j'aurais peut-être dû faire un petit changement là. Ah non, en fait, c'est parfait. Bon, on va y aller. C'est le PSG qui commence avec la balle. Niveau graphique, bon, bah, c'est pas mal. Écoutez, waouh, regardez comment c'est difficile de contrôler la balle. Bon, premier ballon pour moi. Alors, ne vous foutez pas de ma gueule parce que je joue pas souvent à FIFA. Waouh, alors pour faire des passes maintenant, il faut ultra préciser parce que c'est super compliqué. Allez, on va faire une pénétration avec notre Messi. Ah, c'est beaucoup plus dur, hein. C'est beaucoup plus dur de dribbler que sur FIFA 13. Vous allez essayer de la jouer solo, bah c'est impossible. On dirait que la balle, elle aime pas les joueurs, quoi. Genre, elle quitte notre pied directement. Enfin bref, ça ne veut rien dire ce que je dis. On va essayer de se concentrer, histoire de proposer un beau gameplay. Allez, hop, passe. Allez, Neymar. Non, ça c'est Pedro. Hop. Hop, ça va en profondeur. Hop, remise. La frappe. Poup. Et c'est le premier but. Poup, poup, poup. Pedro le Mexicain. Débarque. Bon. Premier but sur FIFA. C'est pas mal. FIFA 14.
Alors, ce que j'ai noté, c'est que c'est beaucoup plus dur de contrôler la balle. Si vous essayez de la jouer solo, bah, vous n'allez pas réussir, à moins que vous maîtrisez mais la chose à un tel point que... voilà. Donc alors, j'aurais peut-être dû mettre un niveau plus élevé que pro, mais ça va. C'est parce que, vous savez, je voulais pas avoir de mauvaises surprises. Bon, c'est une démo aussi, hein, parce que, bon, côté graphique... c'est encore, voilà. J'ai l'impression qu'on voit pas bien le maillot des joueurs et tout, et c'est encore bizarre. Enfin bref. Attendez, on va un peu voir comment ça se passe au niveau du public. Je vais essayer de monter ma balle en haut. Ah non, on voit pas. Ok, alors. C'est pas bien grave. C'est beaucoup plus dur de contrôler le ballon quand on le reçoit que dans FIFA 13. Parce que avant c'était un peu plus simple. Ouais, oh mais regardez-moi ce que je suis en train de faire. Boop! Oh là 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 là. Neymar! Et c'est qui le beau gosse? Et mais regardez-moi ses passes quoi. Mais c'est qui le beau gosse là? Allez, boop! 2-0! Et 1, et 2, et 3-0! Bon allez. On va voir ce que ça donne un petit solo avec Messi. Parce que je suppose que lui il est de niveau 97 ou 98. Parce qu'à chaque FIFA, on trouve le moyen de le mettre à un niveau tellement élevé que tu comprends plus ce qui t'arrive, quoi. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde, Zlatan. Wow. Zlatan a failli me zlataner. C'était pas cool, ça. Allez, on y va. Hop. Wow. Les précisions des passes, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, par contre, niveau défense, c'est beaucoup plus facile à gérer qu'avant, hein. Je sais pas... Mais non, je voulais la faire à Neymar, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, comme je vous ai dit, bah, les passes sont beaucoup plus difficiles à gérer. Quand on essaye de mettre... Mais regardez-moi ça! Le contrôle de balle est mille fois plus compliqué que sur FIFA 13. C'est-à-dire qu'à peine je l'ai reçu, il est parti en freestyle, le ballon. Parce que, regardez, vous avez vu? Le contrôle de balle est hyper compliqué, hein. Donc, faut vraiment se la jouer en mode finesse, là. Mais attrape-le! Je te déchiquette! Qu'est-ce qu'il y a? MDR, j'avais déjà appuyé sur rond en fait. Je voulais le tacler, mais j'ai fait une grosse connerie. Je savais pas qu'il était. Il était là. Non, 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 non! Pop! Oh! Bon, pour l'instant, je gère bien. 2-0, deux buts magnifiques. Dégage-moi ça, bordel. Hop! Rattrape-moi ça, bordel. Allez, c'est parti. Avec Jordi Alba. Hop! Oh. Mais regardez-moi ça. Mais cours pour attraper la balle. Regardez la touche de balle quand même. Ça dépend des joueurs aussi. C'est un peu plus compliqué. Je centre. Les centres aussi sont devenus compliqués. Débat. Non mais en fait, si vous voulez, c'est FIFA 13 en plus dur. C'est-à-dire, voilà, c'est ça en fait. C'est pas mal niveau gameplay. C'est beaucoup plus réaliste qu'avant. Ah, j'avais oublié que c'était 3 minutes. C'est beaucoup plus réaliste qu'avant, mais... Côté touche de balle, côté contrôle et tout ça. Et même pour faire des passes maintenant, c'est hyper compliqué. On va revoir notre but quand même. Oh, premier but. Et deuxième but, Neymar. Alors, côté possession, j'ai quand même 62. Bah, vous savez, c'est le Barça. Alors ça c'est pas mal par contre. On peut retourner dans les ralentis. Ça, c'est un truc qui n'existait pas dans FIFA 13, je pense. Deux tirs, machin, on met les statistiques et tout ça. Neymar, 10 sur 10. Note des joueurs, on peut déjà voir la note des joueurs. Fin du match, paramètres. Reprendre match, paramètres, qu'est-ce qu'on peut faire dans paramètres? Choix d'équipe, réglage, commande, célébration. Paramètres, commande. Oh, on va un peu voir les célébrations pour voir ce qu'il y a. Oreille tirée. Sus son pouce, un bras levé, doigt pointé. Bras ouverts, oulala, c'est quoi oulala, avion, débarque, chute, ok d'accord, je vois un peu ce que ça donne, on va retourner, reprendre le match, comme ça s'il y a un prochain but, je vais voir une célébration, allez, on la joue à la Barça en 1-2, motherfucker, hop, hop, allez, pénétration Messi, mais c'est hyper compliqué, contrôler la balle sur FIFA 14, c'est hyper compliqué, hein. Par contre, au niveau des contacts, je ne sais pas si vous êtes des joueurs FIFA, mais je ne sais pas si ça vous arrive souvent de... Même quand vous foncez sur un joueur que vous essayez de prendre le ballon, bah, il gardait toujours la balle.
même si vous lui faites un tacle de ouf, et ben là ça n'existe plus. Dès qu'un joueur est encerclé, il panique et il fait n'importe quoi. Ça, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Oh, par contre, tu vas te calmer là, bonhomme. Tacle! Attends, je vais le déchirer son ligament. Ah! Déchirure! Hey, oh, faut que je fasse attention là. Déchirure! Voilà. Allez. Hop. Allez, Messi. On va essayer. Pap! Et voilà. Ça joue en équipe. Oh là. Putain, mais niveau contrôle de balle, c'est hyper compliqué. Waouh! Et dommage. Bon, allez, on se concentre. Il me faut au moins un tout petit but là, histoire de remettre les pendules à l'heure. Thiago Motta. Ça, c'est une petite cinématique qui sert souvent à rien, juste pour faire un changement. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. On va un peu voir comment ça se passe niveau changement aussi. Ralenti, paramètres. Alors, attendez. C'est où qu'on change les. Ils sont sérieux là? Ouais, mais comment je change mon équipe? Ah, mais ça doit être à côté, débat. Désolé, j'avais pas vu. Ah, ça va. Bon, alors. Oula! 94, Messi. Un peu comme dans le 13, je crois. Hein. Neymar est seulement 85. J'aurais mis 88, moi. Alors, on va mettre 16 Fabregas à la place de Xavi. Bon, côté. On va mettre Alexis Sanchez à la place de Pedro. Bon, je vais faire mes trois changements d'un coup parce qu'on n'en a rien à foutre. Nous, on est des BGM. Et on va mettre Christian Tello. Parce que c'est un intello. À la place de Padamps. Et oui, évidemment, c'était la blague du jour. Alors, attendez. Par contre, je sais pas qui mettre là. On va peut-être mettre. Ouais, on va mettre Christian Tello à la place. Non, on va mettre Adriano plutôt. Parce qu'il m'a convaincu durant les derniers matchs. Débat. À la place de Sergio Busquets, tiens. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Et on peut y aller. C'est déjà la 67e minute quand même. Bon, on n'a que 3 minutes. On peut pas trop profiter. J'ai quand même envie de voir la cinématique. Comment mes joueurs entrent sur le terrain et tout. Histoire de la faire en mode Vin Diesel Fast and Furious. Débat. Et voilà, on fait entrer 3 joueurs. Attendez, il y a eu un bug là. Ah ok, c'est bon. Non, parce que, vous savez, c'est la démo. J'ai cru voir Alexis Sanchez 2 fois. Bon, écoutez, un truc que j'ai à vous dire, c'est qu'on peut pas se la jouer solo sur FIFA 14. C'est presque impossible de faire tout le terrain et vous dire que vous allez la faire en mode Vin Diesel. Faut faire des passes, faut faire des passes, essayer de construire le jeu et tout ça. Hop. Alors il tombe tout seul, Messi. C'est nouveau ça. Hop là. Hop là. Bon, on va essayer de faire le jeu d'équipe. Hop. 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 Eh, mais c'est impossible de faire une accélération poussée, hein. Hop. 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 Oh, mais genre. Je m'en mêle les pinceaux là. Bon, allez, on se calme. Je suis pas un gros joueur FIFA, hein, pour ceux qui voudraient mon avis. Enfin, sur le truc. Je sais pas. Oh, comment je les ai cassés. Allez, Messi. Allez, Messi. Allez, Messi. Iniesta, non, on casse. Allez, Iniesta, la frappe, pop. Eh, mais c'est super compliqué. Dans FIFA 13, on pouvait couper le rythme des défenseurs. Genre, t'accélères avec le joueur, ensuite tu t'arrêtes. C'était moins compliqué que maintenant, quoi. J'ai l'impression que ici, dans FIFA 14, les joueurs y perdent l'équilibre. Allez, Messi, ah, j'allais frapper. J'ai l'impression que les joueurs y perdent l'équilibre. Genre, quand on l'accélère, on l'accélère, on s'arrête brusquement. C'est presque impossible de continuer à jouer après. C'est hyper compliqué, hein. C'est hyper réaliste et hyper compliqué en même temps. Parce que les. Putain, c'est déjà la 85e! Il me faut un dernier but, mais. Allez, 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 c'est parti. Hein. Hop là. Allez, Messi. Hop. Et merde! Pouah, mais. Pop! Ninja! Allez, on repart. Oh! Non! Mais putain! Pédale! Bon bah écoutez, le jeu est fini. Le jeu est fini, d'abord. Bah le match est fini. 90e minute, j'aurais quand même aimé avoir 4 minutes, au moins 5 de gameplay. Franchement, c'est vraiment des putains niveau démo. Hein. Ils mettent toujours des trucs de connard.
Enfin bref, sur ce, j'espère que cette vidéo sur FIFA 14 vous a plu. Essayez de revérifier la date pour la date de sortie hein, du jeu parce que j'étais pas sûr de grand chose. Donc voilà, c'est Pedro et Neymar qui ont nos honneurs aujourd'hui. Et voilà, c'est super. Par contre, j'ai pas eu l'occasion d'écouter un peu les musiques, on va voir ce que ça donne. Hein. Parce que les musiques dans FIFA 13 étaient vraiment géniales. Attendez. Ouais bon, celle-là est peut-être pas terrible, mais peut-être il y en a qui sont pas mal. Enfin bref, j'espère sur ce que cette vidéo sur FIFA 14 vous a plu. Si jamais vous voulez tester la démo, n'oubliez pas d'aller sur le PlayStation Store ou sur le Xbox Live Arcade pour pouvoir le tester. En tout cas, sur ce, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire qui fait super plaisir. Et on se retrouve très vite, on se dit à la prochaine. Gardez la pêche tout le monde. A plus. Peace. Allez, à tôt bien. Bye bye.